c'est. Je vais regarder l'heure, je vais vous dire ça. C'est 8h36, 37, quelque chose comme ça. 7h, sinon on serait déjà à l'école. Hélène est en train de petit déjeuner, on sort du pot. Voilà, j'essaie de me mettre la routine le matin, on va au pot avant de manger et d'aller à l'école. Yeah. C'est très bien en plus, tu fais comme un grand. Là, il y a sa petite tenue qui l'attend. Il faut juste que je lui prenne une paire de chaussettes dans sa chambre. Donc, un pantalon chino. Je vais acheter des pantalons en velours pour cet hiver parce que, comme ils vont dehors, il faut qu'ils soient bien chauds. Un pull et un t-shirt manche longue pour qu'ils soient bien au chaud. Et là, il prend son petit déjeuner du matin. Une madeleine. Un kiri. Ah, et un yaourt à boire. Oh. Pour avoir plein de force et d'énergie pour l'école. Mon cœur. Et puis il a comme toujours le matin sa petite couverture sur lui, parce qu'il est encore en pyjama le monsieur. Pour qu'il ait bien chaud, parce qu'il fait pas chaud le matin. Nou nou nou. Le jour commence à peine à se lever. Ah bon, voilà un petit Eden posé à l'école, donc je confirme, on a eu confirmation par la TSEM. Eden a une amoureuse. Alors au début je pensais vous dire le prénom, puis je me dis qu'au cas où qu'il y en ait qui connaissent l'école, je préfère pas le dire. Voilà, même si un prénom ça veut tout et rien dire. Donc c'est une petite fille de sa classe. Elle me disait oui, dès qu'on leur demande de se donner la main, hop, tous les deux ils se retrouvent. Et puis la maman, du coup, elle est venue me voir et elle me disait ah, bah alors c'est lui le petit Eden parce que ma fille elle m'en parle tout le temps, qui se donne la main, etc. Donc voilà, Eden a deux amoureuses. Du coup, il a Eliora quand il part en vacances. Et il a à l'école, dont je tairai le nom, sa petite... alors oui, bah, c'est ce qu'a dit la maîtresse, c'est son amoureuse. Hein, parce qu'au début, on pensait que c'était une copine, mais apparemment, c'est son amoureuse. Puis quand elle est arrivée, il est allé la voir. Voilà. Après, il est revenu me voir parce qu'il voulait pas que je parte. Il a un peu pleuré là quand je suis partie. Quand moi, je pars, il pleure plus que quand c'est papa. Allez savoir pourquoi. Pourtant, je reste pas plus. Je ne sais pas pourquoi. Hier, il a failli pleurer, mais la maîtresse, hop, l'a attrapé en cours de route en mode, hop, on va distraire Eden. Là, aujourd'hui, le mardi, ça s'est pas fait comme ça. Parce que c'est ainsi. Et du coup, il m'a un peu vu partir et était pas trop d'accord que je parte. Mais bon, on sait que ça dure 30 secondes, puis après, il passe à autre chose, quoi. Voilà, donc là, je vais finir mes papiers de transfert, de compte, etc. Parce que... comme je suis à mon compte, j'ai dû changer pas mal de choses. Et c'est très très long l'administration quand on est à son compte. C'est une vraie galère quoi. Et je savais pas du tout, c'est vraiment quelque chose que je découvre. Et normalement je devrais à peu près finir aujourd'hui la paperasse que je suis dessus depuis août. On y croit. Bon, je suis rentrée, je sais plus si je vous avais filmé depuis que je suis rentrée. Je ne sais pas, j'ai ma mémère juste ici. Je vais faire le... comment ça s'appelle ça déjà? La courgette. Le petit marron. Là, toi, j'ai pris courgette. Je varie les plaisirs pour Lydie-Rose pour ce midi. Parce qu'hier, elle a mangé sa compote. Donc, mademoiselle est capable de remanger sur ce qu'elle fait la tronche à la courgette. D'ailleurs, vous l'entendez bien. Elle est en train de faire la poisse à l'école. Allez, on commence le petit pot. No one ever sees me. I'm losing every battle. Can't somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare at my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? J'ai récupéré mon cran, on passe à table. Il a faim, le pauvre à peine rentré est déjà affamé. Tu le veux ? Non merci. Cool. Et Eden, alors du coup je discutais avec la maîtresse et il restait que son amoureuse à la fin. Je fais ah regarde Eden, il reste son amoureuse. Tu peux lui dire, pas ta copine, hein, je lui dis sa copine. Il va à son amoureuse. Et la maîtresse a fait ah bon, mais moi aujourd'hui je croyais que c'était une autre son amoureuse. J'ai fait ah, Eden a plusieurs amoureuses apparemment. Il y a celle tout le temps et puis il y en a des occasionnelles, voilà. Sinon on a un souci avec Lily Rose, peut-être que certaines auront des conseils à me dire, c'est que elle refuse de manger petit pot salé depuis quoi, 4-5 jours? Non, c'est le troisième jour. Deuxième. Non, troisième, au moins le troisième jour qu'elle refuse les pots salés. C'est-à-dire qu'elle ferme la bouche, c'est-à-dire qu'on lui met... Anthony m'a dit j'ai mis 1, 2, 3, 4 cuillères, là on a fait le... Ben, je vous ai dit le... potiron,
Et après, elle n'ouvrait plus la bouche du tout. Alors que hier après-midi, pour la compote... Et hier soir, du coup, qu'après le moment, elle avait faim et que j'avais pas de compote de salé, de prêt en petit pot, je lui ai donné le sucré. Il n'y a pas de souci, elle a ouvert la bouche. Donc, c'est-à-dire que le sucré, aucun problème. Mais alors, le salé, en ce moment, elle fait la tête. Quand les loulous sont couchés, je voulais faire une grosse parenthèse sur quelque chose d'assez important. Vous êtes très, très, très nombreux et surtout nombreuses, puisqu'on est quand même plus de filles sur cette chaîne, à me dire que vous ne voyez plus vos alertes pour les vidéos. Donc vous avez une petite cloche, je sais que beaucoup l'ont activé, désactivé, réactivé là, parce qu'énormément ne voyaient même plus dans leur abonnement ou autre qu'ils sont abonnés. Alors je vais me mettre sur une chaîne d'une amie, hop, par exemple, hop, en fait sur la chaîne vous avez, youp là, ceci, en fait il faut cliquer pour recevoir bien les alertes, voilà, vous recevrez toutes les notifications des vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne, parce que vous êtes je ne sais combien par jour à m'envoyer des messages privés, que ce soit sur moi, sur Snap, chez Anthony, tout ça, à me dire mais il n'y a pas de vidéo, à me dire mais je voyais plus tes vidéos, je comprenais pas, etc. Donc faites-y attention, pensez à activer cette cloche parce que sinon du coup bah effectivement vous ne voyez plus du tout les vlogs. J'ai ma petite assistante avec moi. Ça va bouille d'amour? Je lui ai fait le palmito. Oui. Et à côté de moi, ça va être l'heure du goûter là. Du coup, on attend un petit peu que le petit pot refroidisse. Je l'ai mis au congélateur pour qu'il refroidisse plus vite parce que je viens juste de les finir. Enfin, c'est papa qui a préparé, mais papa après il est parti faire des trucs. Donc du coup, je ne sais même pas ce qu'il t'a mis à part de la pomme dedans. Peut-être pomme poire ou juste pomme. En tout cas, je sais que tu aimes ça, c'est sûr. Et les filles, je crois qu'on peut le féliciter, Eden. C'est la première sieste où on enlève la couche. L'autre fois, on avait voulu, puis on l'avait pas fait. Et Eden est debout, propre. C'est bien, Eden. Ça commence à venir. Alors, c'est pas acquis, hein. C'est pas en une fois, hein, les filles. Hein. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oh, bah, c'est la dernière, là. Donc, je change le paquet de compote. Qu'est-ce qu'on a? On a mûr. Mûr, mon cœur. Je suis fière de mon petit mec qui commence à être un petit grand, quoi. Parce que bon, du coup, il commence à être propre aux siestes. Ça fait un mois et demi qu'il est propre. C'est ça, hein, depuis le 2 jours avant la rentrée scolaire, qu'il est officiellement propre la journée. Donc, on a encore des fois des petits ratés, ça arrive. Mais du coup, je trouve ça pas mal. Hein. Parce que du coup, on va voir, parce que par exemple, pour le bilan des 3 ans, il marque propre biurne ou nocturne. Ou que journée, en fait, s'ils sont propres la journée. Tu as tout vu? Bah, dis donc. S'ils sont propres que la journée ou s'ils sont propres aussi la nuit, il y a moyen que d'ici le 30 décembre, d'ici 2 mois, on soit totalement propre. Tu veux une clémentine? Il y a une mémère qui se réveille de sa sieste là. Ah, tiens, papa, si je te chopais ton nez. Mon amour, ça va? Oui. Coucou, mon ange. Yeah. Avec Eden, on est dehors. Oui, j'ai une aide dedans, mais c'était temps de ressortir avec Eden, on est dehors, il joue avec son petit camion qui s'amuse à remplir et vider, alors de toutes choses, de cailloux, de feuilles. Oui, mais vas-y, mets ta réserve, mon cœur, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est moi qui fais trottinette. Et hop, c'est parti. Et en fait, surtout, c'est que je me balade avec les lunettes parce que j'ai une migraine qui me tire depuis plusieurs jours. En fait, c'est juste une migraine de fatigue, donc en soi, c'est pas non plus... Enfin, ça fait mal, une migraine, mais voilà, je vis avec. Et du coup, les lunettes, en fait, ça m'apaise un peu. Je fais les cachetons. Mais là, franchement, quand la migraine tape fort, il n'y a pas d'autre choix. Là. Parce que du coup, ça m'empêche de dormir la nuit. C'est cool, ma vie, hein. Je sais, c'est passionnant. Mais bon, on est plusieurs à subir comme ça des migraines par période. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas. Et là, l'explication, c'est le cumul de fatigue. Parce que j'ai pas de raison particulière outre d'avoir des migraines comme ça. Ouh, Eden, tu me suis pas? Non, depuis tout à l'heure, fais des allers-retours. Y'a que moi qui m'amuse ici, c'est quoi ça? C'est à moi l'enfant ici? Allez, avance! Avance avec ton camion! Vas-y, wouhouhou! Vas-y, chaud devant! Bim, accident! Vite, je m'enfuis! Je suis poursuivie? Je suis pas poursuivie. Non! Vas-y! Vas-y, Eden, c'est parti! Bim!
c'est l'heure de faire manger la petite famille. Du coup, je regarde ce que je vais faire de bon au loulou. Je dis au loulou, il n'y a papa dedans, mais bon. Au loulou quand même. La fin d'après-midi approche. Ça y est, ça sort de la douche, le grand. Du bain. Oh, il a pris un bon bain. Ça fait du bien, Eden, le bain. Bah oui, je mets l'eau partout, c'est bien. Hein. J'ai fait une piscine générale, ma maman. On a trouvé la recette, on va faire des crêpes. Enfin, Bibi fait la pâte, c'est moi. Et Chouchou après fait les crêpes. On a du Nutella. Oui, je crois qu'on a du Nutella. On fait des crêpes. Eden, il joue avec ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une vidéo qui sera en ligne. On est quel jour aujourd'hui, mardi? Eh bien, demain, aujourd'hui, pour vous, mercredi. Eden, il ne veut pas qu'on se fasse de câlin. Non, il nous sait pas. Ça sera sur la ligne. Allô, papa. À 12h, midi. Midi en même temps. En tout cas, il est déjà en ligne au moment où vous regardez. Non, ah oui, il nous sépare, quoi. Léo, Léo, et si on veut faire un câlin avec papa? Mais si, on fait un câlin. Maman! Tu fais câlin à qui, à papa ou à maman? Bah, papa il a triché, il s'est mis en position avant. Donc, je vous mets le lien juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que cette catégorie va vraiment énormément vous plaire et c'est moi qui l'a fait. Donc, faites-moi plaisir. Allez la voir. Câlin, mon amour. Et dès qu'il s'arrête, il fait câlin. Hop! Et on a fait la pâte à crêpes en compagnie de la Facebook Family. On n'a pas encore trouvé de nom pour la team Facebook. Et c'était plutôt sympa. Eden est en train de piquer la caméra. Aïe. Coucou. Aïe. Tu veux filmer quoi, toi? Le bâton qui est autour de l'ordinateur. Aïe, elle est comme... Bon, bah voilà, je vais piquer ma caméra. Tu filmes quoi? Tu me la donnes, s'il te plaît? Non, que dalle. Aïe, papa! Papa, le gala! Papa est en train de faire les crêpes. On a fait un petit live bien sympa sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. J'ai annoncé une petite exclue aux filles qui nous suivent là-bas. Je vous invite pour ça à aller voir le live. Je le dis au début du live, comme ça au moins si vous n'avez pas envie de regarder le live en entier, vous pouvez juste voir le début. Et nous, en attendant, avec la mère, je vais aller la mettre en pyjama parce que son frère est déjà douché, tout ça. Lily, je vais juste la nettoyer un coup et je la doucherai demain. Je la douche pas tous les jours parce que bon, avec sa petite peau réactive, sauf en été quand il faisait chaud là. Même deux fois par jour qu'on passait à la douche. Là, je vais juste la nettoyer et la mettre en pyjama. Et après, on va descendre manger. Mais que fait le chat? Il boit au robinet. Oh, ce chat. Et ici, il y a Eden qui brosse ses dents. Qu'est-ce que tu veux lire? Tu veux lire le livre des saisons? Allez, installe-toi dans le dodo. Tu t'installes? Hop là! Et voilà les amis, la journée se termine. C'est un peu plus de 20h. Les enfants étaient couchés un tout petit peu plus tard, 8h25 pour Eden. Donc il a été couché un peu plus tard, mais demain il n'y a pas école. Donc ça va. C'est parce qu'on a mangé un peu plus tard, comme on a fait des crêpes. Voilà, petite journée bien tranquille, bien sympa. C'était super chouette de découvrir qu'Eden avait une amoureuse à l'école. C'était plutôt marrant. Et puis voilà, on profite encore des derniers jours où il y a encore un peu de soleil le soir. Parce qu'après, ben, on va plus trop pouvoir autant sortir comme ça. Donc voilà, on est en train tout doucement de programmer nos vacances de la Toussaint pour essayer de faire quelques sorties, etc. Quelques activités sympas pour qu'on puisse sortir en famille, parce que c'est là où on peut bouger un peu plus facilement, contrairement au... maintenant avec Eden qui va à l'école. Moi je vais me prendre un petit bain, me poser, me détendre, parce que là, la migraine, j'arrive pas à la stopper. Donc la migraine ça peut durer plusieurs jours, donc c'est un peu embêtant quand même. Et je pense que je ferai le montage du vlog du coup demain matin. Normalement il devrait pouvoir charger à temps, donc ça devrait pas trop être un souci pour vous. Vous devriez pouvoir le voir en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux, de nous laisser de gentils commentaires, des pouces vers le haut. Voilà, c'est beaucoup d'encouragement. Et je trouve que voilà, c'est quand même super chouette cette aventure YouTube. Et je voulais vous remercier pour tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon repas, au moment où vous regardez ce vlog, et on se dit à demain. Bisous.